Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble des Kinder Délices. Pour les biscuits, on aura besoin de 4 œufs, 130 g de sucre, 100 g de farine et 40 g de cacao amer non sucré. Pour commencer, nous allons casser les œufs. Puis y ajouter le sucre et à l'aide du robot, on va fouetter le tout pour doubler voire tripler de volume. Ensuite, nous allons tamiser la farine avec le cacao amer et nous allons l'incorporer à nos œufs. On l'incorpore très délicatement à l'aide d'une marise. Enfin, nous allons séparer notre pâte sur deux moules. Moi, j'ai utilisé des moules de 20 sur 25 cm. Il faut que nos biscuits soient de la même taille et de la même épaisseur. On enfourne ensuite environ 10 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. À la sortie du four, on va laisser refroidir un petit peu nos gâteaux. Puis on va les superposer. Nous allons couper le contour du gâteau pour avoir des côtés bien nets et bien droits. Enfin, on coupe nos biscuits en 8 parts égales. On les laisse de côté le temps de préparer le reste. Pour le sirop d'imbibage, il nous faudra une cuillère à café d'arôme vanille, 50 g de sucre et 80 g d'eau. Dans une casserole, on va mettre l'eau, le sucre et l'arôme vanille. On va porter le tout à ébullition jusqu'à ce que notre sucre se dissout et que l'eau bout. Voilà, on laisse le sirop de côté. Pendant ce temps, nous allons préparer la crème. Pour la crème, il nous faudra de l'arôme vanille, 30 g de sucre, 150 g de mascarpone et 200 ml de crème liquide à 30% de matière grasse. Nous allons verser la crème liquide dans le bol du robot. On y ajoute la mascarpone, le sucre et l'arôme vanille. Puis à l'aide du robot, nous allons fouetter le tout jusqu'à obtenir une crème bien onctueuse et ferme. Nous allons placer la crème dans une poche à douille, puis nous allons imbiber nos biscuits avec le sirop que nous avons préparé.
Ensuite, nous allons mettre une couche de crème dans un de nos biscuits. Puis, on le referme avec l'autre biscuit. À l'aide d'une spatule, nous allons étaler la crème qu'il y a sur le côté. Enfin, nous allons placer les biscuits 30 minutes au frigo. Pour finir, nous allons préparer le glaçage. Pour cela, il nous faudra 250 g de chocolat noir râpé, 35 g de beurre, 10 g de sucre, puis 200 ml de crème liquide. Nous allons faire chauffer le mélange crème liquide-sucre jusqu'à ébullition. Nous allons ajouter la crème liquide chaude sur le chocolat râpé. Et nous allons laisser comme ça une minute. Le chocolat va fondre tout seul. Ensuite, on mélange la crème avec le chocolat. Puis on y ajoute le beurre coupé en petits morceaux. On mélange jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Et on laisse le chocolat tiédir de côté. Enfin, nous allons poser nos biscuits sur une grille. Et nous allons verser le chocolat par-dessus pour recouvrir tous les biscuits. On les place 15 minutes au réfrigérateur. Enfin, avec le reste du chocolat, nous allons décorer nos Kinder. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la recette vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.